Il y a 32 ans, j'étais déjà une fois à Varanasi. J'étais déjà en Inde. Et maintenant, je suis revenu pour la deuxième fois. Et déjà à l'époque, quand j'ai expliqué à mes amis, si vous voulez expliquer le mot différent, il faut juste que vous allez en Inde. Je tousse à cause de la pollution et puis c'était très dur. Et là, j'ai surmonté moi-même, sans électricité, sans eau souvent, des douches froides pendant 4 mois. Et c'était bien pour moi parce que j'ai vu que je peux faire ça. Et après, on sort, on est avec ces millions de gens et c'est très fatigant. Alors il faut une énergie pour continuer, continuer, continuer. Et je suis ravi que j'ai survécu Varanasi. Le panoramique, c'est bien quand je fais des photos sans mettre devant l'œil. L'appareil reste sur moi, mon corps, et c'est mon corps qui fait la photo. Et les gens ne savent pas ce qui se passe. Ça veut dire qu'ils sont authentiques. Ils sont comme ils sont, ils ne peuvent pas, ils n'ont aucune chance de jouer pour la photo. Aujourd'hui, dès qu'on met l'appareil photo, les gens commencent à faire des grimaces ou bien de jouer quelque chose. C'est plus la réalité. Alors, je travaille très vite, sans regarder par le viseur. Je dois toujours aller très très proche pour qu'ils soient grands dans le format. A little bit. Go up with the picture. More. Go up, 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 like this. That's it. And now as big as possible. Bigger. Mais ce que je sentais pendant les 5 mois que je suis là, que tout change. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui coupe avec les traditions. Il y a l'argent qui devient beaucoup plus important. Et ça change. One, yes, this is here, this is there, this is there, this is there. India is changing. Old India, modern India. Do you like it or not? Not. You don't like it? Why? Why concept? Daily life in Varanasi. Mon sujet, depuis toujours, c'est l'humain. C'est les personnes où ils sont. J'aimerais bien connaître plus. Et une occasion de passer 6 mois en Inde ou 6 mois au Tessin, c'est pour connaître les gens et pour savoir leur culture. Et moi, j'apprends beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup appris ici en Inde, aussi sur moi-même.
Et c'est ça ce qui me fait courir derrière une belle photo toute ma vie. Je suis très content parce que quand on voit là, c'est le résultat de 4 mois survie à Varanasi, une ville qui est assez dure pour vivre. Même moi, j'étais un peu sur le fil. On the Edge, c'est le sujet, le titre de mon exposition maintenant sur ces panneaux publicitaires dans un carrefour avec beaucoup de trafic. Et c'est là où je vais maintenant montrer ça. Et les gens de Varanasi peuvent retrouver leur vie quotidienne sur ces panneaux où normalement ils ne voient que des rêves de Bollywood ou de rêves de consommation que eux ils veulent acheter.